Vendredi 20 janvier, Sinodivan Deruera, devenu célèbre grâce à famille nombreuse, la vie en XXL, a rendu hommage à sa grand-mère pour une occasion spéciale. CIST en 2020, lors de la diffusion de la saison 2 de Famille Nombreuse, la vie en XXL sur TF1, que la famille Van Der Oer a été révélée. Suivi sur Instagram par plus de 197 000 abonnés, Sinodi Van Der Oer y poste des photos de son quotidien avec son mari Sébastien et leurs 11 enfants. En septembre dernier, CIST un moment plus intime de son quotidien qu'elle avait partagé, un montage photo avant-après qu'elle n'aurait jamais osé poster avant. Pour la première fois, elle avait parlé de sa perte de poids. Depuis quelque temps, j'ai entamé une prise en charge de moi-même. La prise de poids n'est pas toujours simple à supporter, avec mes multiples grossesses et césariennes, je n'ai jamais été bien faite, disait-elle. Elle a aussi récemment dévoilé avoir fait une fausse couche. Mais ce vendredi 20 janvier, CIST un moment plus drôle qu'elle a partagé. Une grand-mère fan de Jules et qui écoute Skyrock en effet, Sinodi Van Der Oer a publié une vidéo en hommage à sa grand-mère pour un événement spécial. Elle a fêté ses 85 ans. Les internautes ont ainsi pu la revoir lorsque les équipes de quotidien avaient repris une séquence de Famille Nombreuse, la vie en XXL dans laquelle la grand-mère en disait plus sur ses goûts musicaux un peu surprenants pour une personne de sa génération. Le voyage a été long alors j'ai écouté Skyrock. Jules, soprano, maître Gims, dit-elle à sa sortie du train. En légende de sa publication, Sinodi Van Der Oer lui a dédié ces mots, « Ma grand-mère, elle fête aujourd'hui ses 85 ans. Elle me surprendra toujours. » Qualifié de phénomène par les internautes et de poursuivre, fan de Jules, soprano, maître Gims. Elle écoute Skyrock et n'a pas peur de le montrer. Joyeux anniversaire, je t'aime. Elle a ensuite posté des moments passés avec elle, où notamment elle chante ses chansons préférées, comme Ça va, ça vient de Slimane Vita. Dans son message, Sinodi Van Der Oer n'a pas manqué de tagger soprano, Jules et Gims. Dans le fil des commentaires, son mari Sébastien a lui aussi laissé un message. Joyeux anniversaire mémé, a-t-il simplement posté. Des anonymes se sont également manifestés. Bon anniversaire à votre maman, le phénomène. Une mamie comme tout le monde en voudrait, elle est superbe, joyeux anniversaire à mamie Jules. Quelle énergie. Belle et longue vie à votre mamie, peut-on lire. À lire aussi je ne suis qu'au début de ma vie, Sinodi Van Der Oer, famille nombreuse, fête son anniversaire avec un message plein d'optimisme.